Nous, population de la commune d'Enamport, avons, malgré le PIDC, un faible accès aux infrastructures, eau, santé, transport, éducation, électricité. Face à cette situation alarmante et à l'absence de prise en charge efficiente pour faire du PIDC une réalité dans la commune d'Enamport, nous, collectifs attachés au développement de notre terroir et soucieux de l'amélioration durable des conditions de vie de nos habitants, avons décidé de déposer ce mémorandum articulé autour des points suivants. Le bitumage de la route Brin-Bandial, l'électrification de toute la commune d'Enamport, l'accès à l'eau potable, l'érection de lycées. Conformément au titre 2 de la Constitution du Sénégal qui garantit la liberté publique et de la personne humaine, ses droits socio-économiques et ses droits collectifs, le collectif a décidé de recourir à la marche pacifique et à la dénonciation pour amener le gouvernement à prendre en charge nos préoccupations. C'est un tronçon long de 20 km en latérite. Elle est difficilement praticable pendant toute l'année et devient un bourbier pendant la saison des pluies. La qualité de la latérite faite ici dans le cadre de la réhabilitation des puits de production reste à désirer. Nous souhaiterons avoir une large route bien bitumée. Les pavés ne sont pas les bienvenus. La commune compte environ 22 villages administratifs, mais seulement deux sont électrifiés via la Sénélec. C'est dû à la haute tension qui a traversé ces deux villages. Notre commune n'a cessé de revendiquer un lycée, mais cette vieille doléance semble être classée dans les oubliettes. Ah oui. Telle est l'économie de l'argumentaire de nos points revendicatifs.